Et rebonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est de retour en compagnie de Pumpkin Man pour eh bien, la continuité de ce cast des EBC. Cette fois-ci, on retrouve les British Hurricanes, mais face à une toute autre équipe, les Scallywags. Scallywags, des noms qui ne sont pas forcément connus, et pourtant, c'est du T3 aussi. Là, on retrouve un petit peu le niveau des Genesics, à savoir qu'on a du top 16 sur les Breakable Barriers. Ils avaient perdu les Scallywags aussi 3-0 contre les Hungry Titans dans la dernière Open Division. Hungry Titans qui avait fini par gagner hein, l'Open Division, on le rappelle. Donc voilà, Scallywags c'est du T3, je pense qu'on peut dire T3, low T3, mais T3 quand même. Donc évidemment, un Lizen, un pronostic. Non. Ah non. Non ouais. Voilà, moi, je prends British Hurricane. Allez, ouais, okay, t'as pas le droit de prendre British Hurricane. Super. Non, mais les Scallywags, quand même, on peut noter qu'il y a une équipe qui s'est construite notamment sur certains membres, en tout cas une grande partie des membres de la team irlandaise de la World Cup de l'année dernière. Donc, une équipe qui avait pas mal fait parler d'elle parce qu'elle était assez active sur les réseaux sociaux, assez marrante. Il y avait ce concept de Dave Reinhardt, etc., avec Liam, leur main tank à l'époque. Donc on a perdu ce main tank, on a perdu aussi le off tank, mais en tout cas les deux supports et les deux DPS sont des membres de la team Irlande. Donc voilà, on a quand même des joueurs avec une petite réputation. Ouais, c'est cela. Petite réputation, c'est le cas de le dire, alors que vous le voyez, c'est Népal qui a été choisi par les British Hurricanes pour être la première carte. On change, tout à l'heure c'était Lee Jung, les British Hurricanes décident de partir sur Népal, et d'ailleurs, il va maintenant en Népal. On commencera sur Village. Ouais, Village, hein, une carte qu'on a connue comme peut-être l'un des premiers lieux de départ de cette de ces compositions très corps à corps à base de May Reaper, tout ça. Voilà, quoi. Vous voyez ça en ranked, et ben on voit aussi ça en pro play. On peut imaginer évidemment voir ce genre de composition rush, de composition autour d'un Reinhardt, tout ça. J'ai l'impression que on voit du Hogball encore, donc là, bon, voilà, le respect est mort ce soir, tel le lion dans la savane. Ouais, là, c'est même pas ronde de chauffe, tout à l'heure, en Genesis, ça allait. Là, c'est direct. Non, c'est bon. On verra bien Reinhardt Zarya. Avec le Chacal Sparker qui aime bien sortir son Chacal. Mais ça reste fort, même sur Village, parce qu'à l'intérieur du point, elles peuvent connecter très vite les mines et le pot, quoi. Attention, parce que. Oh bonjour. Oh, au god. Ah, ouais, là, il est naïf, là, malheureusement, sur le cas. Et Adi ! Adi, la charge dans le spawn de l'équipe adverse. Le main tank allemand, regarde-moi ça, Molfig, il y va. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ils sont partis, les Hurricane. Ah, ils ont. Voilà, ils font leur vie, quoi. C'est leur maison, hein, tout ça. Ah, voilà. Oh, oui, on a un peu. Voilà. Ouais, voilà. On aura quand même un petit kill de Hogan. Un coup de tête, bon body sur Ripa. On perdra quand même une très grosse quantité de heal. C'est vrai que cette Moira qui est là pour procurer beaucoup, beaucoup de survivabilité à cette compo. Mais on est bel et bien sur cette composition Amon Rodog. Amon Amon Chopper. Et le piège qui sera là quand même pour. On survit. Un Amon qui se prend un piège et qui se retrouve seul face à 6 British Hurricanes et qui arrive à survivre, je pense qu'il peut le mettre dans son palmarès, Faithful. Oh, il a bait la charge de Hadi, il va pouvoir envoyer son pilonnage. Est-ce qu'il a un follow-up? Non, pas du tout. Mais là, pour l'instant, c'est même les Scally qui jouent avec les British Hurricanes. Ils répondent bien, même si, leur Ball Hog, on rappelle, hein, c'est des Funny Irish Guys. Hein. C'est vraiment des petits Irlandais, des petits plaisantins avec leur Ball Hog. Et Faithful, là, qui arrive, qui va détruire Hadi et Sparker. Faithful qui joue avec tout le monde, là. Ouais, Faithful sur son main qui montre un beau niveau de jeu, mais malheureusement, bon, cette composition elle est suboptimale, hein, clairement. Bullhog, bon. Même leur façon de la jouer, là, Faithful, ok, il fait un double kill, mais où est son équipe? Oui, voilà, bon, voilà. Je pense qu'ils sont un peu en mode quick play, ils se sont dit, bon, les gars, on joue British Hurricane, on a aucune chance, go faire n'importe quoi et s'amuser, quoi. Ils pouvaient, là, ils pouvaient vraiment. British Hurricane tente des choses et Skywatch gère bien, donc peut-être surjoue sérieusement, peut-être moyen d'aller chercher des choses. Mais ouais, c'est dommage de throw, tu joues en dit British Hurricane, c'est vrai que t'as moyen d'apprendre. Après, je veux pas leur côté d'intention, hein, mais. Ouais, non, moi non plus, moi je prends pas l'intention, mais c'est vrai que Ball Hog, je suis pas certain que ce soit la composition qu'ils avaient envie de sortir. Après, ils ont peut-être travaillé cette composition hein, pour se reprendre British Hurricane. Ça, c'est totalement quelque chose qui peut être possible. Mais nous ne tirerons pas de conclusion hâtive sur le style de jeu de ces Scallywags. Si on voit d'ailleurs les caressers sur le point, ça va permettre de leur tag. Ah, il est seul, dommage, je pense qu'on va pas toucher le point. Non, on touchera pas le point finalement, donc quand même une récap. En tout cas, Slogar, il va se prendre les petites tourelles de la Symmetra, se faire ralentir. Et ce n'est pas cette ville qui va le sauver.
Ah, il aura le droit au four micro-ondes, hein, les 5 tourelles, ouais. Enfin les 3 tourelles plus le rayon, on n'est pas heureux quand on se prend ça. Hein. Et c'est vrai que là on joue très très individualiste, hein, on dirait. Bon, je vais pas dire on dirait une quick play parce que bon ce serait quand même un peu méchant, mais c'est vrai qu'on n'est pas très coordonné sur les assauts, les Skywalks qui sont vraiment. En tout cas qui donnent cette impression d'être en mode un peu on s'en fout. Ça taunte dans le chat. parfait. Voilà. C'est l'Overwatch qu'on aime. C'est ça. Ah, ils ont pas touché, c'est dommage. Regardez pas en détail, j'avoue, mais c'est vrai qu'il y a le Amon qui est venu toucher. Mais quand il y a qu'un Amon qui essaie de venir toucher le point, on le sait, il y avait trop de moyens de gérer. Quand t'as une Brigitte, tu fais un petit coup de feu au cinglant, c'est bon. Enfin, le petit boop aussi de Kelex, voilà, il y a trop d'options. Là, c'était le boop. Bon, ça aurait pu être autre chose. Dans tous les cas, ça allait être trop compliqué de toucher le point. Et British Hurricane prend village. Et maintenant, on va essayer de prendre hôtel. Ouais, bah cette composition, cette carte, les éléphants. Comme on aime à l'appeler en France, va être le prochain théâtre des opérations de Reinhardt qui se feront face Molfig et Super Soldier. On conserve ce Amon du côté de Faithful Soul et on sera sur une composition un petit peu hybride dive rush avec un soldat d'Annette qui tombera quand même d'une petite tête d'un Hanzo et probablement peut-être un premier fight remporté. Et Hogan qui se montre, bien protégé par ses tanks, qui va trouver la tête sur Danette. C'est ce qu'on a envie de voir de la part des DPS des Scallywags. Il y a une opportunité. Maintenant, on est à un joueur d'avance. Il faut absolument faire tomber Molfig. On a forcé beaucoup de ressources pour ce main tank, mais il ne meurt pas. Il arrive pas, qui est toujours là pour le soigner. Enfin, il va tomber, mais c'est déjà trop tard. Danette a pu revenir. Et Sparker, il faisait son office. Il danse dans la backlane. Hein. Vraiment, il récitait les lignes de prière. Et voilà, c'était l'office, littéralement. Très très fort les British Hurricane. Danette qui est vu. Hopgod. Le duel entre Danette et Hopgod. Est-ce qu'il sera remporté? Le magnifique reflect qui fera tomber tout simplement ce soldat. Danette qui a été un petit peu agressif. Hein. Non, je pense que c'était vraiment une vraie stratégie British Hurricane. C'est vraiment une nouvelle façon de jouer soldat dans une nouvelle méta. Pas du tout. Il a full throne, il a full troll évidemment. Et Adi est en train de troll un petit peu aussi ici en s'isolant avec son chopper. C'est ce qu'on appelle du feed, messieurs les Hurricanes. Et ce n'est pas le ralliement de Ripa qui pourra sauver l'équipe académique des London Spitfire. Même si on remporte le duel face à Hopgod, AWP God quand même. Juste de la WP qui joue Genji d'ailleurs, c'est assez drôle. Ouais, tout à fait. Danette qui sera revenu à temps en courant avec ses petits pieds. Viendra prendre un kill lui aussi. On va mettre beaucoup de pression, beaucoup de dégâts et Sparky sera là. On va tomber cette backlane des Scallywags, Kelex qui fera aussi, qui ira aussi de son petit kill et aucune résistance n'est proposée. On fait ce qu'on veut. Ah, c'est compliqué. Et avant qu'on reparte à l'analyse toujours très incroyable de ce genre de play, je voulais noter quand même le professionnalisme des British Hurricane qui, dans les joueurs, ils mettent bien tank, DPS, support. Et ça, c'est agréable d'avoir ça, vraiment de faire ce petit effort. Moi je salue les British Hurricane qui sont vraiment toujours soignés également pour mettre le nom des équipes dans les lobbies. Et là on a vu Ripa Danette qui était sur ses hauteurs. Il fallait les punir, ça a été fait. Encore heureux. Ouais. Bon, c'est une map. Il se passe des choses en tout cas. C'est ce qu'on peut dire. On arrivera sur le point du côté de ces deux tanks. Mais là, bah voilà, on est un peu trop esselé. La lune dragon qui va partir. Hopgod qui espérera récupérer quelqu'un. Ce sera fait. Ce sera Sparker qui tombera sous ses coups. Et la coalescence sera là pour procurer beaucoup de heal à toute cette composition des Scallywags. On récupérera ce point. Mais avec certaines difficultés. Danette qui a voulu aller chercher cette Moira de Mutsire seul. Ça n'a pas suffi, il y avait la volatilité encore. Et Molfig revient, on n'a pas le soldat, mais on y va quand même. On envoie même bleu dans le mur, mais ça va toucher quand même pour Kelex. Ça va toucher le reste de ses coéquipiers. Adi peut pousser. Oh, il a carrément. Et c'est un Hog de Adi qui a emote sur le point. Ou alors c'était Faithful Soul qui était encore en emote, il me semble. Et Adi peut envoyer maintenant son écarisseur isolé. Le Reinhardt de Super Soldier. Et vous l'avez eu, mesdames et messieurs, dans le kill vidéo, vous l'avez vu, c'est Sparker. Et le kill au marteau. Ça y est. Ouais, on est du retour sur un Macri du côté de Eogan, mais malheureusement face au chopper, on ne pourra pas faire grand chose. Et on est full marteau, Sparker, qui ne respecte plus rien. Et les British Hurricane qui vont un à un faire tomber. Kelex qui tombe dans les J'ai pas signé pour ça, ce mec. Mais il fait là encore, mais il fait là encore. Ah ouais, non, désolé. Ah, ça y est, le T-Bag sur la WP God. Ouais, désolé, Lizen, je sais que c'est un petit peu ton premier casse des Hurricane et tout. Et tu t'attendais à bien, mais ouais.
Ce genre de match, ça arrive, mais au moins on passe un bon moment. Et deuxième kill de Sparker sur son marteau. Il a passé à peine 5 minutes sur son temps bien. On a déjà 2 kills au marteau pour Sparker. Mais il est trop, fort. Allez, regardez-le, il est trop fort. Alors que Danen, pendant ce temps, lui continue de feed dans la backlane avec son soldat, essayer d'aller sans camper au spawn. Alors, t'as WP code, on en parle pas assez, mais c'est l'âme du dragon à chaque fois. Il prend un kill, mais oh, il pas, il l'a. Bah, c'est chier. S'il avait un tout petit peu plus de soutien. Je pense que c'est l'âme du dragon qui ferait encore plus ce café. Mais là Sparker, Sparker avec son marteau qui retourne pour le troisième kill peut-être. Une énorme pression, regardez les dégâts infligés par son marteau. Oh, le cœur de magma, c'est pas la compétence la plus puissante de Torbjörn. Ah, voilà, on peut voir le marteau, la compétence la plus puissante de Torbjörn. Voilà, le marteau pour faire tomber un WP God. Sparker pour son troisième kill au marteau. Non, ça sera pas le cas, c'est Adi qui fait un monster kill. J'adore voir ce petit nain essayer de tourner autour du point avec son marteau pour de récupérer les kills. Je. Ça fait un 0. Voilà. Voilà. Je ne sais pas quoi dire, je suis désœuvré, je suis désappointé. Oui. Oui. Un petit peu off the game de Ripa aussi qui va partir. Un petit peu OTG Brigitte là. Un petit peu OTG Brigitte. On ne sait pas si on le voit avec la production. C'est plus off the game. Si vous le voyez pas, on le voit à la radio. Bon, il a neutralisé l'implacable de Hogan, et Hogan qui va envoyer son implacable dans un couloir. Voilà, ça c'est toujours intéressant aussi de voir ce genre de play des Macri. Bon, c'est pas grand chose à dire, pas grand chose à analyser, mon bon Lizen. Voilà, ouais, c'était une quick play. On avait WP God qui essayait de jouer tout seul, mais le Hurricane, bon, se permettait des choses. Et Sparker, hein. Sparker et même notre prod qui se demande comment il est censé spec ça. C'est une très bonne question, je me la pose aussi. Ah ouais, c'est notre prod qui a commencé aussi à se rouler la tête, notre ami Duke qu'on salue de Monkey Bubble. Monkey Bubble qui assure la production hein, d'ailleurs. C'est pour ça que vous avez tous ces overlays un petit peu shiny qui change un petit peu de d'habitude avec ces belles transitions. Et surtout, je l'avais vu, c'est un feed absolument incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte de la qualité du feed que vous avez, mais c'est une qualité Overwatch League. Parfait. Bon, nous on n'a pas ça malheureusement, notre feed est moins joli, mais bon, ça arrive. C'est une chose qui marche, c'est le plus important. C'est le plus important, c'est que ça marche pour. Mais oui, là c'est. Tactical sub. Alors ça coule dans le chat, game, le sub. Donc voilà, on amène Nuda dans la composition. Alors normalement, ça devrait être un tank vu comment est fait le lobby. Maintenant, bon. Je sais pas. Oui, alors on va voir ce qui va être passé. On a plus le droit aux compositions 3 DPS, 4 DPS. C'est vrai, heureusement. Sinon, ça pourrait aller loin les compositions. Mais oui, non, c'est bien log de 2-2, je vous rassure, évidemment, comme tous les tournois Overwatch depuis maintenant quelques mois. Et ouais, vous le voyez, on va partir sur King's Row dans quelques instants pour permettre aux British Hurricane d'aller remporter leur deuxième 2-0 dans ce groupe A. Voilà, scrap all robots, bah surtout scrap all Scallywags. Hein. Alors, scraper les Scallywags. Hein. Scrap all team T3, même. À ce niveau-là. Scrap le BC. Ouais, c'est ça. Les British Hurricane qui sont bien partis, en tout cas pour s'imposer sur cette compétition. Bon, voilà. Après, c'est évidemment le round robin, c'est les entrées régionales. Donc, on est au tout début, on est vraiment à l'écrémage le plus total. Donc, voilà. On a juste passé le qualifier. Donc. Il reste quand même beaucoup de teams, il me semble qu'il y aurait 64, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse, mon cher Pumpkin, tu me confirmeras ou m'affirmeras. Mais en tout cas, ok, peut-être un peu moins. En tout cas, on a déjà écrémé la plupart des teams de bas niveau, mais c'est vrai qu'il reste encore un certain nombre d'équipes, et voilà, les Contenders, il n'y en a pas tant que ça. Ça, bah, vous voyez les 8 équipes qui ont disputé le tournoi Contenders de juillet. Et eh ben il y en a 7 dans le BC. Il y a que voilà. Box Nili qui manque à l'appel, sinon les 7 sont là. Et il y en a même 6 dans la région Atlantique, dans cette région. Il y a que Raspberry Racers, donc Obey Alliance, qui eux jouent en division nordique, si je ne m'abuse. Il me semble que c'est ça, effectivement. Ouais. Alors qu'on est parti sur une composition bunker cette fois-ci, autour de Sparker et son faucheur. On va se positionner ici au niveau de ces escaliers. Un positionnement. Rarement vu, rarement exécuté. Ripa qui prendra le meilleur sur Oh God. Ripa qui prend ses
Ouais, alors moi, vous savez, les Zen, j'ai déjà abandonné. Hein, c'est... Oui, non, mais je... Écoute, bon, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on va voir le troisième match juste après. On va voir Scallywags contre Genesix. Donc oui. Là, ça devrait être plus serré, ça va être plus intéressant. Mais bah, après, ça reste intéressant. Moi, j'aime bien voir les Hurricanes. J'aime bien voir un petit peu de l'Overwatch différent. Et j'aime aussi, surtout, voir Danette sur son Doomfist. Même si Nostire, avec son Zenyatta, tente tout ce qu'il peut. Les Breath Hurricanes ne laissent pas beaucoup d'espace pour respirer. Ouais. Bon, moi aussi j'adore voir les Hurricanes, mais le problème c'est que là on ne voit pas les Hurricanes, on voit une boucherie basiquement. Et du coup, bon, ouais, c'est la boucherie du 4ème arrondissement, c'est ce que vous voulez. Voilà, c'est ça, c'est un peu. Ouais, ok, on va spawn camp quoi. D'ailleurs, ils vont vraiment spawn camp d'ailleurs, ouais, c'est énorme. Ils vont aller taguer la porte du spawn. Et tenter de. Oh, il y a un petit stick qui passe sur Danette, Danette qui va sur le total et qui va te faire une gamme. Et le mauvais perdant qui trigger derrière. On en est à ce hype de trucs comme ça quand même, Pumpkin. Tu te rends compte où on en est? Bah, on en est au point où la seule possibilité pour les Scallywags de faire des kills, c'est le mauvais perdant de Chacal. C'est un triste état de choses. Un triste état de fait, triste constatation. Ripap qui peut se faire plaisir avec ça, Anna, il peut se permettre de la sortir. Donc, oh god, il a vu que Molfig tentait de trouver des choses devant le spawn. Je pense que. Ah, le duel était à l'avantage de l'Oressa tout de même, mais il y a eu une discorde. J'en peux plus. Les années, il ne faut pas abandonner, il faut rester professionnel. Et il faut se dire que les Scallywags ont encore leur chance dans ce BO. À tout moment, les Scallywags peuvent retourner le teamfight, pourquoi pas, avec une transcendance qui détruit tout le monde. On sait jamais, à tout moment, la transcendance c'est des dégâts. Pourquoi pas. Il fait chaud, pardonnez-nous, la game est un stomp. On fait ce qu'on peut, mais restez bien avec nous. Ça fait plaisir de voir ça. Et surtout, ça fait plaisir de voir juste après les Scallywags et les Genesix qui vont s'affronter. Et n'oublie pas que le BC, bon, c'est des stomps, mais le BC, ça va surtout avoir lieu jusqu'à fin novembre. Donc n'hésitez pas à follow la chaîne pour ne rien louper. Et vous pouvez même vous sub, ça vous donnera accès à de magnifiques emotes. C'est vrai que tu le précises, ce n'est que le début. Effectivement, voilà, on commence juste les hostilités. Et bon, là, effectivement, c'est le match le plus intéressant, finalement, ce sera sans doute le match Scallywags contre Genesix. Et bah, en vrai, je suis assez impatient de voir un petit peu ce que ces deux équipes vont montrer, parce que bah, les deux équipes sont à peu près du même niveau, donc ça risque probablement d'être assez intéressant. Évidemment, voilà, face aux British Hurricanes, Molfig qui est en mode tourelle. Qui bouge pas. Il se fait heal, il a la grenade, le bonus de la grenade biotique de Ripa, il peut rester en vie, sa Winston n'a pas assez de dégâts pour faire tomber la Orisa qui se permet même d'envoyer la fortification. Ça y est, il a un dragon, la WP God, on sait qu'il arrive tout le temps à trouver un kill à chaque fois, mais là il y avait juste pas de joueur des Hurricanes, il s'était bien split, même dans le troll, il rêve si ça restait discipliné, les Britanniques, et c'est encore une fois eux qui vont remporter le teamfight avec le boost. Ciao. Ah ouais, c'est juste parfait. Enfin, je sais pas si c'est parfait ou si c'est une très très grosse erreur de Hope God, mais là on a temporisé cette lame du dragon de manière impeccable. Et en même temps, j'ai l'impression que Hope God a peut-être lancé sa lame du dragon sans avoir vraiment conscience de ce qu'il allait en faire. On a peut-être été mal inspiré sur cette lame du dragon. En tout cas, ça se bataille au spawn, mais cette fois-ci au spawn des défenseurs. Il se passe des choses. Avec Alex qui récupère le kill, il a envoyé son mur du son aussi, voilà, on touche quand même le point, ouais. Puis, attention à pas tomber, Sparker qui est immobile sur le point, qui va donc prendre ses grenades biotiques, heureusement sa cryostase va permettre d'empêcher le debuff de se poursuivre. Oh, on a plus de Anna déjà pour les Scallywags, ça va être difficile, il faut absolument que Mew Tsayer reste en vie, c'est la seule source de soins pour ces Scallywags alors qu'on a envoyé ce Winston dans rage primordial, il faut absolument que je passe au diable réussisse à chercher Ripa, non Ripa reste en vie, mais Ripa qui s'est fait endormir avec le pilonnage, je suis fait full soul, on arrive à récupérer cette Anna, c'est peut-être maintenant que la différence peut se faire pour les. Scallywags, mais écoutez, je parle et je vois ça. On a encore Faithful Soul qui est encore en vie et Hope God qui va faire un très bon travail dans la backline, mais malheureusement Faithful Soul qui ne Faithful. Ça c'est très très dur à dire. Faithful ça. Soul. Faithful Soul. L'âme pleine de foi. De fou, tout à fait. Qui tombera sous les coups de ses adversaires, qui ne gagnera pas le temps nécessaire pour son Genji. Dommage. Et voilà, merci quoi. Je tiens à remercier Black Joe Grace qui s'est abonné avec Twitch Prime sur Castornest. Bienvenue sur Castornest. Merci pour le sub. Très plaisir. Incroyable. On en est à remercier les subs. qu'on arrive. Vraiment. Après, il n'y a qu'une minute de délai. Donc là, ça va, ça va pouvoir se voir. Mais j'avoue qu'on en est à remercier les subs. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire généralement. Hey. Mais là, on peut se permettre. Et avec une minute de délai. On peut même discuter avec vous. Hein. On peut même prendre le chat sous les yeux. C'est quelque chose que je fais jamais. Mais écoutez. C'est mignon ça.
Mais on le fera pas pour le prochain match, Lizen, parce que le prochain match, lui, il s'avérera être plus intéressant. Tout à fait. Le prochain match, c'est probablement le match que vous voulez voir. C'est ce qu'on se dit pour nous rassurer. Oui. J'espère juste un truc. C'est que les deux équipes vont pas se dire, bon, on a perdu de base, donc let's go, on fait n'importe quoi. C'est juste, j'ai juste peur de ça. Parce que je sais que c'est possible. Bah, non, parce qu'il y a une deuxième place à aller chercher. La deuxième place, si je dis pas de bêtises, elle sera qualificative pour les playoffs. Ouais, donc, je dis peut-être une bêtise. Il faudra que je regarde absolument le nombre de slots. Il y a 8 équipes. Je suis pas certain qu'elle soit qualificative, la deuxième place. Je sais qu'il y a 36 slots pour le Major. Ah, bah je pense du coup qu'elle est... quoique, je sais pas. On verra. Voilà. Écoute, Lizen, je vais aller fact-check. Je te laisse. Ah non, parce que sur les règles, il n'y a pas marqué parce que c'est selon le nombre d'équipes. Mais les règles ne précisent pas si combien d'équipes vont. Je vais me renseigner. Laissez CasterZ faire son travail. Si nous avons des informations, évidemment, nous penserons à vous les communiquer. Alors que pour l'instant, on essaye d'être très agressif aux portes de ce spawn pour. C'est Scallywags, mais malheureusement, bah, Sparker est trop fort et Sparker fait sa vie, fait ses kills. Bon, bah voilà, Sparker quoi. Oui, c'est Sparker, hein. On n'a pas plus grand chose à dire sur la qualité des PS suédois, évidemment. Le meilleur headscan d'Europe, bien sûr. Ça, c'est quelque chose qu'on peut difficilement contester. On a Molfic de retour sur sa diva, plaisir de le voir. Il était un peu décrié à l'époque, le Tichus Money Crew, pour sa diva, que certains top joueurs trouvaient pas forcément folle. Mais écoutez, maintenant il est chez British Hurricane, il détruit tout et il a l'un des meilleurs Sigma. Et là on a le Nano d'ailleurs pour sauver la baby diva, permet d'aller chercher WP God dans la backlane. Et à côté on a des charges qui se passent dans la réception de l'hôtel, là c'est... Voilà, ce qui est important à savoir c'est que... C'est important. Oh la balle dans le TP! Mais oui! Ah, mais il respecte rien du tout! J'en peux plus! Elle est incroyable! La pompe dans le TP! Pour Molfig! On a récupéré une Moira, c'est pas facile hein! Et là, on doit se rouler la tête par terre. C'est pas une Moira, je sais plus qui est tombée, mais oh. Le Rez, il part. Et regarde, c'est intéressant parce que la Rez, elle est protégée par le point météore de Daniel. Nouvelle façon de protéger les Rez. Et les Hurricane vont donc chercher leur deuxième victoire dans ce groupe A de l'EBC. La victoire aussi, elle était protégée par ces British Hurricanes. Ouais. Et Daniel avec son Doomfist pour avoir le playoff de game. Ok, c'est dommage que ça soit pas la bombe de Molfig. Moi je suis très déçu. Là, j'avoue. Les mécaniques hein, dans l'escalier. Il va choper Mio Tsaïr alors qu'il est en train de changer de verticalité. On prend Yogan derrière. Voilà, Daniel. Hein. Logiquement, il sort son Doomfist, il est playoff de game. C'est sûr et certain. C'était sûr et certain. Non, mais voilà. Bon. On peut pas dire qu'on s'y attendait pas. Effectivement, on a le top tier contenders contre des équipes T3. Ok, j'ai les infos sur qui passera, c'est le top 16. Ah. Donc, ils sont en train de voir encore comment ils vont faire parce que c'est le top 16 au total, mais il y a 8 groupes. Et oui. les différentiels sont pas évidents parce qu'il y a des groupes de 4, des groupes de 3. Donc, on sait pas encore s'ils passeront. Voilà, c'est la réponse d'organisateur que j'ai eue. Ne m'en voulez pas. On verra. Mais c'est ça, c'est on verra. Mais le prochain match. Il a de grandes chances d'être qualificatif pour les playoffs, régionaux. Et il y a quand même de la belle compétition à aller chercher. Ouais. Ni les Scallywags, ni les Genetics ne vont se laisser faire si facilement, ça c'est sûr et certain. En tout cas, on sait qu'on retrouvera une équipe, ce seront les Hurricanes, puisqu'ils sont maintenant en 2-0. Et on va partir en pause. Voilà, on va partir en pause. C'est maintenant qu'on va se reposer, qu'on va attendre le prochain match, qui sera donc. C'est Scallywags que nous venons de voir contre les Genesis qu'on a vu pendant le match précédent. A tout de suite sur Caster's Est.
Et on est de retour pour le dernier match de cette première journée de l'EBC, un tournoi qu'on est très heureux de vous commenter. Bon, les deux premiers matchs n'ont pas forcément été à l'image de ce qu'on s'attendait d'un tournoi T2, même si on était très content de voir les Hurricanes. Là, cela dit, Lizen, on va être sur un match T3 très intéressant, oui, qui va être plus serré. On rappelle que le but de l'EBC, pourquoi le tournoi a été créé, c'est pour être la voie royale pour les contenders, c'est que ce soit la map, la voie royale pour les contenders, voie royale qui va se tracer sur le camp d'ailleurs, vous le voyez. Et là on va avoir un match plus serré, Lizen, entre Scallywax et Genesis. Ouais, tout à fait, deux équipes T3, deux équipes qu'on a déjà castées cet après-midi, qui s'affrontent enfin éloignées des monstres British Hurricane. Cette fois-ci, on devrait, je l'espère, avoir quelque chose de plus close, quelque chose de plus tendu. On va voir évidemment ce qui va être joué. Probablement, évidemment, de la double shield si on veut rester méta, peut-être des compositions originales. On n'a pas vu du tout ce qu'était capable de faire Scallywax, puisqu'ils ont joué n'importe quoi, on peut le dire, hein, je pense. On peut se permettre n'importe de le dire. Quoi, hein, c'est, vous savez, c'est les funny Irish guys, hein, c'est les petits peut-être Irlandais. Au moment, voilà. Les Irlandais qui ont perdu Pure Irish que c'est Angry Titans, oui, avec nos amis de Frogs, Starboy, Little Flame, d'ailleurs. Et pour l'anecdote. On a perdu Liam aussi qui est parti chez. Ah, je ne sais plus. Young Beautiful, je ne sais plus. Yam qui est en tout cas leur main tank, ok. I don't remember, je ne me souviens plus, mais voilà, Liam qui était aussi voilà, donc, le main tank de cette équipe nationale d'Irlande. Voilà, donc les deux DPS et supports de cette line-up, Scallywax, qui étaient eux aussi avec eux. On a juste remplacé les tanks. Et on va voir, hein. Bon, voilà, du côté de Genesis, on est peut-être sur des gens un peu moins, enfin en tout cas qui n'ont pas été à la World Cup, ça c'est sûr, qui ont peut-être un peu moins d'expérience, on le verra, en tout cas on va le voir sur cette map, cette première map de Lijiang, sur le jardin qu'on a vu tout à l'heure, étant en tout cas à la dive. Ouais, c'est ça, on avait Mute Sire qui était en équipe d'Irlande, et on avait aussi Scallywax, et là il ne joue pas, vous allez voir dans quelques instants quand les joueurs vont s'afficher, donc là on voit les nénuphars. Mais j'ai l'impression qu'il est, il est pas là, évidemment. Non. Mais on a bien Mute Sire qui était dans l'équipe d'Irlande 2019. La Coupe du Monde 2020 d'Overwatch n'aura pas lieu, vraisemblablement. C'est triste ce que tu dis là, Pum. Eh ouais, bah, je commence là avec des vérités qui sont difficiles d'encaisser, je sais, ouais. Lizen, mais. Ah, ça c'est fait comme mal. Ça. Ça fait mal. Ouais. En tout cas, voilà, on voit les compositions. Donc voilà, là actuellement, en fait, j'ai envie de pleurer. Parce que bah du coup voilà on a la composition Amon-Ra Dog, donc voilà la composition qui se revoit en quête. Quand même les Genesis qui vont nous proposer quelque chose d'un peu plus standard, une dive autour d'un Amon avec l'Aiko qui sera proposé. C'est ça, Samuel, avec une belle dive sur Mra Aiko. Là il y a un beau burst pour un pilonnage pour Wicked qui va aller très très vite. Pendant ce temps, Bullhog, et bah oh, le coup sur le Zen, il est passé. Oh oui, il est passé, évidemment qu'il est passé. Faithful Saul, qui arrive à trouver l'entry pick parfait pour nos amis des Genesix. Pardon, pour les amis des Scallywax. Ils sont en bleu, les Scallywax, Genesix est en rouge. Ça continue de boucle dans tous les sens. Ouais, on a ce chopper hein, de Super Soldier qui tient un petit peu son rôle de tourelle. Et Wicked qui sera un peu esselé sur ce point, qui va essayer de temporiser, de gagner du temps. Mikibi qui en fera un quand même sur son vis-à-vis direct, le chopper. Et on devrait sécuriser peut-être la première cape de ce point. Oui, tout à fait, ce sera probablement fait du côté de ces Genesix, puisqu'on fera tomber le principal support de cette composition, la Ana. Et ouais, malgré le entry pick de Faithful Soul qui était parfait, mais bon, tu perds le Zenyatta, tu perds pas tant de heal que ça, tes DPS sont encore vivants, donc tout va bien. Et bah c'est Chopper et Amon, hein, que je vous dise. C'est facile derrière d'aller faire des kills quand tu as ce type de frontline qui va avoir énormément de difficultés à pile pour ses équipiers, même si bah, on a la Brigitte pour aider la Ana, mais bah y a que ça, par exemple la Echo là, elle a rien pour se défendre. Hein. Elle a rien pour se défendre, après elle n'a pas non plus, à part son vis-à-vis direct, de problématique vraiment dans mais la composition. C'est ça tout parce qu'elle vient de tomber, hein, Hogan. Oui, oui, oui. Elle s'est récupérée, elle s'est fait full soul, qui se fait bump. Pour l'instant, en tout cas, une composition plus optimale qui nous est proposée par les Genesix. Hein. C'est vrai que cette diva, elle fait la différence. La Sombra qui est là, qui est intéressante, qui est bien pour revenir shutdown Faithful Soul sur son Amon, tout simplement. Hein. Donc on condamne un petit peu la frontline
de ces Scallywags à peau de chagrin, et donc finalement bah, ça aide beaucoup un petit peu tous ses coéquipiers. On en a switché, en fait sur le Sigma, c'était sûr que Chopper et Bulldozer, c'est impossible, en plus surtout contre une dive quoi. Surtout contre une dive, tu peux pas te permettre de pas avoir de pile en fait, c'est ce qui se passe, juste qu'il mourrait un par un. Et c'est normal, alors qu'on voit une agression, Faithful Soul qui était un petit peu seul dans l'agression, on envoie la bombe pour se protéger, ça récupère un double pégot qui était pas forcément bien placé avec son Genji, on peut maintenir la pression avec le ralliement de Kog. Les Genesis se sont bien présents installés sur le point, ils ne comptent pas le laisser si facilement, la conquête qui ne passera pas, mais on a chargé un flux gravitationnel, on ne l'enverra pas. L'UM aussi qui était magnifique, qui voulait être combiné avec ce flux gravitationnel, mais malheureusement on n'a pas eu le temps. Samuel qui a perdu sa forme de Sigma juste à temps, et pour l'instant eh bien, les kills vont plutôt en faveur de ces Scallywags, même si les Faithful Soul n'ont pas décidé à quitter le point. Ouais, on temporise, mais Kibi, belle utilisation de la matrice, il peut gratter quelques pourcentages, gratter les 99%. Je pense qu'on va s'arrêter là, on va regroup, c'est intelligent, il fallait faire. Et là, c'est qu'on a des... On a de quoi faire pour la prochaine teamfight, même si tu as dit on a perdu entre guillemets l'IUM de Kallax, on voulait le combiner avec le flux gratationnel, ça n'a pas été le cas. Et là, le plan de jeu, on peut aller chercher ce Genji notamment avant qu'il envoie sa blade. On a perdu des ressources très importantes. Après, je pense qu'on va plutôt décider de tanker un petit peu cette blade avec forcément cette transcendance qui va être là. On va évidemment essayer de forcer la transcendance. Pour l'instant, on tient bon, mais André qui tombera sous les coups de Super Soldier qui s'était bien avancé. C'est très bien, c'est une très très bonne opération pour ces Scallywags puisque on a conservé cette lame du dragon et on a gagné un teamfight. Ouais, là il fallait. On peut encore gagner ce teamfight. J'allais dire, il aurait fallu envoyer la transcendance, mais pas forcément, puisque là ils sont en train de remporter le teamfight pendant que sur la frontière il n'y a absolument rien pour se défendre. Double Pégode toujours vivant qui revient avec son Genji, mettre de l'ordre dans ce teamfight. Alors où est-ce qu'on en est? Va falloir faire le point, mais le Zenyatta est revenu. Il n'est plus que Faithful Soul et les Genesis sont finalement s'imposer une nouvelle fois malgré la transcendance gardée. On en reparlera tout à l'heure. Pour moi, c'était un mauvais choix, mais en tout cas, on m'a fait mentir parce que là, Andreiko, heureusement qu'il est là avec sa transcendance très tôt dans ce teamfight. Mais effectivement, le choix de pas claquer cette transcendance, il aurait pu coûter cher, mais pour l'instant on arrive à temporiser, à gagner du temps, même si les 99% sont proc, on ne peut plus lâcher ce point. C'est Scallywags qui vont devoir se batailler tel des beaux diables, et ils le font parce que pour l'instant, les kills ne vont que dans leur sens. 3 kills en leur nom, peut-être plus bientôt sur le main tank de cette proposition des Genesis, Wicked qui devrait tomber. Ouais, il va essayer de... Non, il va même pas essayer de temporiser, on va juste revenir. Intelligent, pas forcément besoin de gagner plus de temps ici, pas se faire delay. Déjà que Mickey B est tombé. Mais... plus tard, pas se faire delay plus que ça. Mais ouais, cette transcendance, elle était partie. Elle aurait dû partir parce qu'on a vu la Echo qui tombe derrière. Ils avaient un pic d'avance en fait. Et c'était. Il fallait transcendance. Si tu transcendais, tu avais un pic d'avance. Tu étais sous transcendance et tu pouvais aller gagner le teamfight. Ils ont pris des gros risques. Les Genesis, heureusement, ça leur a pas joué des tours. Même si à la longue, ils perdent le teamfight. Ils ont pu gagner pas mal de pourcentage. Oh, il est seul. Il est seul, Andreiko. Heureusement, il l'avait sur Winston. Tout le monde va se retourner. Et Super Soldier, forcé de back. Oui, il a pris très, très, très cher sur son Winston. Et il va se faire récupérer par Samuel. Samuel qui était là à la réception de cette agression. Oh là là. Samuel qui continue son festival avec un magnifique point d'enfer de Doomfist dans ses adversaires. Et Samuel qui va perdre cette forme de Doomfist, mais qui va bien continuer à mettre énormément de dégâts sur cette frontline des Genesis, des Scallywags pardon, et les Genesis qui pourraient bien s'imposer sur ce teamfight. Ouais, parce qu'il a récupéré 3 kills, il a récupéré 3 kills Samuel, mais ça ne suffit pas pour ces Genesis et ces Scallywags, ils sont encore vivants dans ce teamfight, même si on perd WP God, il reste un DPS, il reste Hogan vivant, on perd le point, va falloir aller le toucher. Wakobako, il est avec Sana, il est passé très intéressant. On va pas le chercher, le sleepy passe pas malheureusement, c'était son bras, elle va rester en vie, elle va continuer de tenir Kallax qui va essayer de gagner du temps, permettre à Wicked de revenir, pourquoi pas, et Samuel de faire des dégâts, il faut absolument que cette Echo fasse la différence, c'est déjà le cas, on récupère et Hogan, est-ce que notre ami de Samuel peut faire la différence? Ouais, c'est très dommage qu'il tombe dans le vide comme ça. Quoi ? Ouais, parce que du coup là, il me semble que les Scallywags peuvent enfin s'imposer, il n'y a plus que des supports, sauf que Kog, certes il est un support, mais c'est aussi un DPS, il prendra la vie de Hope God, et Andreikyo qui continue le festival des kills orchestré par ces magnifiques Genesis, et les Genesis qui reviennent. Ouais, ils sont en train de revenir finalement. Envers et contre tout, qu'est-ce que c'est que ce teamfight qui dure longtemps? On a des Amons, ça y est, qui commencent à rouler autour du point. Ça, c'est quand tu commences à voir ce genre de situation, tu sais que c'est un teamfight qui est agréable à suivre. Les Amons qui continuent de tourner à WP God, il faut qu'il remporte son duel face à la tresseur de Kallax. Ça ne sera pas le cas. Il y avait personne de son équipe qui restait sur le point pour contester plus longtemps. Et c'est après un premier side extrêmement disputé que on parlait d'un match serré. Là, Lizen, on est servi. Effectivement, on est bien servi par ces Scallywags et ces Genesis qui ont fait une belle map.
Bon, je vais pas te cacher quand même que commencer par Chopper Hammond, ça me donne envie de m'arracher les cheveux, tout simplement. Hein. Mais contre une dive. Voilà. Mais cependant, on a su switch au bon moment. Et on s'est bien battu sur cette map, malgré, De début. Ouais, bon moment, on perd le side, quoi. Et on peut perdre là-dessus, hein. On le perd sur les premiers passages perdus. Cette première team fight, malheureusement, punie par Ball et Hog. C'est pas bon, hein. Croyez pas vos teammates qui nous en enquête que c'est bien. Ça peut passer en ranked, mais c'est pas bon, hein. On va pas se mentir. Après, je pense que toujours avec un bon plan de jeu bien exécuté et bien prévu, n'importe quelle composition peut fonctionner. Bien sûr. Maintenant, bon, voilà, il faut que ce soit impeccable. Ouais. Et Super Soldier qui nous fait mentir en prenant le premier pick de ce teamfight sur Kallax. C'est pas nul, on va dire, c'est plus difficile à faire fonctionner. On va tout dire tout ça comme ça, Lizen, suboptimal. Voilà, suboptimal, restons polis. Et Super Soldier, par contre, il est un petit peu isolé avec son Hog, il se prend pour un vrai tank, mais il y a beaucoup de CC. Forcément, il va tomber, surtout qu'il y a le faucheur de Kallax qui va s'en donner un cœur joie pour récupérer et le Hog et le Hammond. Là, Kallax, il a le pic parfait, j'ai envie de dire. Ouais, je suis assez déçu parce que Super Soldier, il crée beaucoup d'espace en se mettant un petit peu au milieu de ses adversaires. Mais personne de son équipe n'en profite pour aller venir prendre un adversaire dans le dos, essayer de prendre un pic, essayer de soulager un petit peu cette pression qu'il prend. Et peut-être que tout le monde était mort et que je ne l'ai pas vu, mais c'est très dommage. Ouais, non, c'est vrai, AWP God est un petit peu plus timide et le Junkrat de Gan n'a pas forcément envie d'aller au corps à corps alors qu'il pourrait se le permettre. En parlant de ce chacal, le voilà avec son automatique bien placé sur la hauteur, il ne devrait pas tomber. On a attendu la fin de la bulle, non, on l'a envoyé avant la fin de la bulle de Azaria, mais ouais. Ça récupère Samuel. Déjà un pic, c'est ce qu'il voulait. Les Scallywags, maintenant il faut perpétuer l'agression et surtout ne pas permettre à Mikey B d'envoyer sa graviton. Tout de même parti avec la coalescence, il y a beaucoup trop de dégâts à l'intérieur pour tenir pour les Scallywags, en tout cas pour tenir en vie ce Junkrat et Kallax. Ça se donne à cœur joie au corps à corps face au tank des Scallywags. On décide quand même d'utiliser le mur du son, c'est peut-être un peu dommage. Le fight est a win. On aura une lame du dragon au prochain team fight pour Hope God. C'est peut-être l'erreur qui coûtera la prochaine gap de points à ces Genesix, Scallywags, qui vont devoir rentabiliser cette lame du grave. Absolument. C'est cela, le plan de jeu, que tu as pas grand chose non plus. C'est ça qui est vrai, c'est ça qui est dommage avec le champ de mine et les carisseurs, c'est que tu n'as pas non plus les capacités ultimes de tank qui peuvent faire la différence à elles seules, ou même qui vont aller bien en combinaison avec par exemple une lame du dragon. Lame du dragon qui va partir, même Nanoblade parti pour WP God, mais encore une fois, comme à son habitude, il trouve personne, il a jamais de cible à WP God pour ses blades. Ouais, je sais pas si c'est une erreur de lui ou de ses teammates, mais là effectivement c'était discutable. On a quand même pris un pic avec cette lame du dragon, ce qui est suffisant pour assurer le team fight. On a quand même ce beau Diablo de Coq qui va temporiser un maximum ce point, qui survit longtemps quand même, 82% qui sont sécurisés pour les Genesix, et on va pouvoir revenir peut-être au score, je l'espère, en tout cas pour les Scallywags. Et on va pouvoir rester Ball Hog aussi, hein, ça c'est, il n'en déborde pas. Chut. Ils ont gagné un teamfight, hein. il nous donne raison. Il nous donne raison, mais là c'est vrai que tu as la composition de rush avec un Azaria qui va aller littéralement. Un HP Samuel, c'est dans Pokémon, c'est le pibu. Et là WP God l'attendait à la sortie de son point météore. Et WP God par contre qui était un petit peu trop dans cette backline, il va se faire punir. C'est dommage d'avoir un positionnement aussi agressif pour ce Genji. Le Mastic est parti de EO4 pour aller punir le fuck et Makibi qui avait sa gravito, ça dramatique ça pour les Genesix. Heureusement qu'on a encore des chances et 30% pour les Scallywags. Ouais, on a des chances et surtout on a les win conditions pour gagner le prochain fight. On n'a plus rien à part cet écarisseur qui n'est pas l'ultimate, le plus game changer qu'on va pouvoir voir. Peut-être qu'un entry pick pourrait faire plaisir, mais non, il n'en sera rien. Le faucheur qui s'échappera tranquillement avec sa TP et sa forme fantomatique. Le choc sismique, magnifique, il n'y a pas de shield pour pouvoir le contrer. Le bookie viendra peut-être perturber les plans de ses Genesix. Ce sera le cas, et Super Soldier avec son écarisseur qui va commencer à faire un travail assez monstrueux. Il me fait mentir, cette ultimate est peut-être game changer et peut-être map changer. Est-ce que ce sera suffisant? Le tracker qui passe quand même sur l'Azaria. Ils sont encore vivants, ils ont encore des gravitons, ils ont encore de quoi faire, ils ont des ressources. Cette Genesix, encore faut-il décider de les utiliser, surtout les utiliser à bon escient parce que Super Soldier, il est déjà à son quatrième kill dans le teamfight grâce au nano. Super Soldier, le super pillar plutôt, j'ai envie de dire, en train de maintenir son équipe en vie, mais c'est sans compter le retour de Kallax qui s'en donne un cœur joie avec un chopper, avec un Hammond. Il peut mettre les dégâts qu'il a envie avec ses pompes funèbres. Mais ces Genesix ne reprennent pas le contrôle du point. Il faut se regrouper, on est prudent. Et on va tout capitaliser sur cet envoi graviton avec la coalescence. Donc Gauthier aura sa lame du dragon. Il faudra absolument qu'elle parte rapidement. Mais la graviton est là d'abord. Et évidemment, elle est magnifique. Et elle va faire tomber un à un pot de chagrin
trois membres de ces Scallywags. Cependant, Eogan qui va rééquilibrer la balance avec un très très beau pneumatique. On a plus de front lane pour ces Genesis. Et ça semble gagnable soudain pour les. Ouais, pour les le numéro 200 en plus de Kog est parti beaucoup trop tôt. Il n'a pas pu neutraliser les dégâts diplomatiques. Oh, Samuel qui va pouvoir envoyer son implacable alors qu'il était low. Mais AWP God attendait à la retomber pour faire son deuxième kill avec la Nu Dragon. Peut-être le troisième. Attends pour AWP God déjà tranquille pour la Nu Dragon d'AWP God qui avait du temps de mal aujourd'hui. Mais cette fois-ci, ça y est, c'est peut-être lui qui va offrir aux Scallywags une balle d'égalisation sur les Junk Tower alors que Faithful Soul est en train, avec son champ de mine, d'empêcher les Genesis de revenir sur le point de. Tenter de contrer cette agression de Scallywags, contrer l'agression de cette Ball Hog. Mais ils ne peuvent pas, tu ne peux pas contrer une Ball Hog, Lizen, j'en ai l'impression là, c'est fini. Oui, c'est la fini. Ball Hog est dans ta tête, la Ball Hog. Si tu ne vois pas la Ball Hog, elle ne peut pas te faire de mal. Mais là, il la voit, la Ball Hog, et il la subisse. Et la Moira sera la seule. Andrik, qui ne pourra pas temporiser plus longtemps. On a quand même le Hammon de Mikibi qui pourra essayer de gagner un maximum de secondes, mais on ne pourra rien faire de plus. Une seconde map disputée à nouveau, mais cette fois-ci, qui ira aux Scallywags? On se bat. Ah oui, on est encore serré. On a 2,99 en overtime. Là, on est parti pour un beau BO, mon cher Lizen, un beau BO plein de Ball Hog. Et ça, ça fait plaisir. J'adore ça. Toujours un plaisir de voir aussi ce genre de composition remporter les sides. Mais on avait pourtant une composition qui était assez agressive, même si la dive c'est toujours mieux face à une Ball Hog, mais là dans le centre de contrôle c'est un petit peu compliqué. La rush aurait dû mieux s'exprimer parce qu'il y avait absolument rien pour pile, mais en fait les écarisseurs de Super Soldier servaient à pile, mais c'est pas normal qu'ils trouvent pas une cible en fait. Là, un petit speed boost du Lucio te jette sur ou la Brigitte ou la Ana, et normalement elle s'est mourir, elle s'était pas censée survivre. Donc, J'ai l'impression qu'on a, on a vraiment beaucoup joué au clutch du côté de ces. De ces Genesis, hein, on a forcé de ces Scallywags, on a forcé un petit peu une composition suboptimale, mais on a joué un petit peu avec ses forces mécaniques et individuelles. Très clair qui passera pas sur la Tracer et Hogan qui fera quand même le premier kill sur Weekend. On perd ce Hammon qui offre tant d'espace pourtant, mais les kills vont pour l'instant plutôt pour ces Genesis, même si Hopgod sera là pour équilibrer les forces. Kallax il est un peu chaud hein, parce qu'il y a un. Il y a un Hog qui se balade et qui essaye d'aller récupérer ses trésors, mais garder son traclar pour rendre Draco. Ça met Super Soldier, ça ne suffira pas, cela dit. Les boss vont pouvoir s'avancer sur le point, à moins que Lizen, j'ai parlé trop vite, Faithful Soul qui revient, il a un petit peu select son Hammon pour permettre à son équipe des Scallywags de revenir dans ce teamfight, mais malgré ses boucliers, il se fait volatiliser par le rayon focalisé de T-Samuel. Alors on n'a plus les DPS, hein, on a plus de très grosses sources de dégâts et Hammon de. Bah c'est finalement un gros sac de viande une fois qu'il n'a personne pour agir avec lui. La bombe qui partira. Il a réussi à la rater dans un couloir en ligne droite, hein. Je veux pas être méchant mais. Calme-toi. Non, c'est compliqué, c'est un Lucio, il est en train de wallride. Non. Tout à fait. Moi je l'aurais jamais mise dans tous les cas. Non, voilà. Plus, hein. Évidemment. Ce sont des joueurs professionnels, ne faites pas ça chez vous. C'est ça. ne faites pas les mêmes bon, de toute façon. Allez, Nanoboost qui est parti sur le Doomfist de AWP God, mais il a pas beaucoup de cibles sur lesquelles. Il a vraiment du mal à rentabiliser ses nano AWP God. J'ai l'impression à chaque fois il se balade, il trouve jamais de cible. Forcé à reculer, là, lâcher un petit peu l'agression, direct d'enfer pour réengager, mais on ne trouvera pas de dégâts. On va manquer un petit peu de DPS pour faire tomber cette Diva. Diva qui va rester en vie et AWP God qui tombe derrière parce que le burst est. Là, est raté sur la Diva qu'il a esquivé tout simplement, qu'il a kite comme on dit dans le milieu. Et ouais, en face, une composition difficile à engage, hein. C'est vrai qu'on a une composition un peu divey, un peu split. On a ce Zenyatta qu'on peut essayer d'engager, mais le problème c'est que si AWP God il rate son engage sur le Zenyatta, bah il a plus rien, il peut plus rien faire. Il peut pas toucher la Tracer, il peut pas toucher la Echo, il peut pas toucher la Diva, il peut pas toucher le Hammon. Il peut toucher le Hammon, mais bon, ça sert à rien puisqu'il a un bouclier de 400 milliards d'HP. Donc bah voilà, il y a que ce Zenyatta, et si on miss le Zenyatta, et ben on miss sa chance de remporter un teamfight. L'ultimate qui partira quand même directement et qui sera bien contré par une très très belle transcendance. On viendra casser aussi toutes les mines. Ouais, c'est dommage parce que là on savait, oh le gars qui se mangeait sa bombe et qui était vigilant. C'est dommage d'avoir envoyé le champ de mine dans la transcendance. Ça va nullifier l'effet de la capacité ultime de Faithful Soul. Et c'est Scallywags, tu le vois qu'on le pied sur le point, qui n'arrive pas à le récupérer. On force les Genesis à revenir sur le point, à temporiser. Il y a un beau champ de mine et Wako Bako. Il a pas d'autre choix que de s'esquiver dans un endroit où il s'était sûr qu'il allait marcher. Une bombe l'attendait, plus qu'un Lucio en vie. Newsayer, le support de l'équipe d'Ireland 2019, va tomber. Et c'est finalement Genesis qui est dans un dernier side pas du tout disputé cette fois-ci, qui remporte la première carte. Mais c'est là que cette composition Scallywags, elle perd de son intérêt. Si tu peux pas te permettre d'aller flanquer... On en reparle, flanquer... pas de protéger.
Tout à fait. Excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, non, tout à fait, non, tu as raison. Je suis très content d'avoir pu apercevoir ces têtes sur la tresseur du flex support hein, de cette Genesis. Mais oui, du coup, c'est là où cette composition. Oui. Oui, qu'est-ce que Sally. Oui, cette composition Scallywags, elle est très individualiste. C'est-à-dire qu'on va jouer au clutch, on va jouer à l'individualité. Et le problème de jouer comme ça, c'est que dès que tu as une composition teamplay qui fonctionne bien, et bah cette composition est nullifiée. C'est-à-dire que là, on a absolument tous les outils pour venir contrer chaque agression des Scallywags. On a la Diva et sa matrice pour contrer le Rodog absolument, enfin pour nullifier le Rodog. C'est-à-dire que si le Rodog touche, enfin si le Chopper touche un Traklar, et bah c'est totalement nullifié. Et du coup, bah voilà, on contre absolument tous les assauts de ces Scallywags et on est échec et mat. Échec et mat, c'est risque de se perpétuer cet échec et mat parce que là, on est sur une carte qui, bien que ce ne soit pas son terrain de prédilection, on peut voir la dive s'exécuter. On va aller sur King's Road dans quelques instants. Pas trop de dive. Bah non, mais en fait, quand tu as un ball hog en défense par exemple, bah tu veux prendre la dive. Tu veux prendre la dive en fait. Même si t'es sur King's Road au final. De toute façon, contre un ball hog, tu prends ce que tu veux, t'as gagné. Hein. Ah. Bon, je sais pas. Sans vouloir manquer de respect aux équipes, hein, mais ils ont pris un side quand même. Mais c'est vrai que la preuve que ça marchait, Non, mais voilà, c'est ça. C'est juste, on joue au skill. Le problème, c'est que si en face ça s'adapte, on peut juste pas compete en fait. C'est impossible de jouer face à ça parce que juste c'est trop individualiste. On n'est pas assez dans le team play, je pense, et... Bah ouais, on voyait même les nanos qui partaient sur la WP God, mais c'était peut-être pas dans le bon timing, parce qu'à chaque fois, il était un petit peu démuni. Pareil, on va sur le point météore, le champ de mine qui arrive juste après, pas forcément dans le meilleur timing non plus. C'est vrai qu'on a du mal à voir des combos qui passent bien. Il y a des belles choses qui sont faites sur Pulse Soldier, notamment, qui utilisent ses carisseurs de façon défensive, c'est une belle chose, mais il n'y a pas de combo, il n'y a pas de synergie vraiment entre ces joueurs d'escalier, on le sent, ils sont vraiment là, dans leur quick play, c'est presque ça, dans leur deathmatch. Mais les génétiques savent s'adapter et ça fait qu'ils mènent 1-0, c'est pour ça, même si ça avait été très serré. Non, c'est serré, mais je pense que c'est des maps. Enfin, les premières maps, c'est toujours des maps où on va un peu se chercher, un petit peu se tester entre les adversaires et voir un petit peu ce que chacun fait. Et une fois que tu as compris comment ton adversaire jouait, s'il ne s'adapte pas et s'il a des failles et que tu es capable de les exploiter, bah voilà, tu trouves la réponse assez facilement. C'est ce qui s'est passé sur la dernière map. Et c'est un 100-0 qui est proposé quand même par les Genesis. Donc voilà, certes, c'était accroché au début, mais une fois que la réponse est trouvée, c'est fini. Donc il faut absolument s'adapter pour ces Scallywags. Trouver une réponse, trouver autre chose à proposer et peut-être performer. Et Genesis, ils nous sortent une composition qu'on n'avait pas vue. Vraiment la méta classique, évidemment. Ah oui. Ashgenji, Orisa Sigma, Baptiste et Brigitte, où on profite du fait que les deux DPS soient actuellement les plus puissants du jeu et où tu veux tourner derrière autour de ton Genji, lui apporter un maximum de piles et avec un Baptiste avec un champ de mortalité beaucoup trop fort pour contrer notamment la blade de toutes les ultimates et les flux gravitationnels. Voilà, chaque personnage a son intérêt dans la composition, chaque personnage doit jouer avec les autres et utiliser ses cooldowns avec les autres. C'est un peu aux antipodes de la composition des Scallywags qui va changer un petit peu, Slavier. Ouais, encore une fois, une composition très individualiste. On a cette fatale qui va essayer de venir prendre un pic, mais derrière les shields, ce sera très compliqué. Il va se faire un petit peu poke. Et Hogan, il va conserver cette fatale quand même. On va le suivre un petit peu pour voir s'il arrive à prendre des pics. Pour l'instant, il n'en est rien. Mais voilà, on a encore cette composition très très individuelle. On a le Hamon qui va survivre beaucoup, qui va essayer de créer de l'espace un petit peu pour empêcher sa backline d'être menacée. On a cette Ana pour tout simplement essayer de permettre à distance de faire survivre son adversaire. Pour l'instant, Hopgod qui prendra le meilleur sur Samurai. Et là, on était occupé dans le sur hauteur et on n'a pas pu soigner ce Genji de Samuel. Petite incompréhension pour les Genesis, ça peut coûter cher parce que déjà, moins 1 dans cette défense, même si les Skywarks restent très prudents et Hogan ne peut pas trouver de cible. Ça y est, l'agression a été lancée, on fait tomber Wicked forcément, on a un surplus de DPS, sans pas se faire punir non plus. Mais là, il y a toujours Hogan qui est présent sur ses hauteurs. Je vais envoyer ses petits coups. Mais
J'ai l'impression qu'on va pouvoir descendre plus, défendre plus longtemps, évidemment. Ouais, ce point il est perdu, il faut le laisser tomber. On prendra quand même le meilleur sur Erogan, hein, Mikili qui occupe ses hauteurs tranquillement et qui va essayer de charger son ultimate le plus possible, essayer de ralentir aussi cette agression. Parce qu'on sait, King's Row, si tu m'as pas snowball, c'est-à-dire qu'une fois que t'as capturé le premier point, ton intérêt c'est de pusher le plus loin possible pour essayer de récupérer peut-être des picks au fur et à mesure, parce qu'il y a souvent un bad respawn ou deux, ce qui fait qu'on arrive vite en 5 contre 6 ou en 5 contre 4 même. Et pour l'instant, eh bien on constate qu'on ne peut pas snowball et on prend son duel, mais on prend son duel à travers les shields. Ouais, à travers les shields, donc ça permet à la hache d'avoir l'avantage, ce qui n'est pas censé être le cas hein, d'habitude entre une hache et une fatale niveau duel. Là, finalement, tu l'as dit, les shields permettent à Kallax de jouer beaucoup plus avancé, beaucoup plus agressif, de distribuer ses petits coups de vipère au reste de l'équipe d'Escalibur. Et à Dynamite pour déloger ce Genji, mais il était déjà tombé ce Genji pour aller chercher Kallax, sous le timing et AWP God. Lui par contre était à l'heure de King's Row. Oh, cette dive était parfaitement coordonnée, c'était absolument parfait. Le plan de jeu était clair et nickel. On avait ce bump du Amon into le flux gravitationnel, c'était nickel. On avait Hogan qui s'était fait connaître dans la backline pour menacer un petit peu tout le monde et forcer un petit peu d'attention sur lui. Et ça a offert de l'espace à ses tanks. Mais après, déjà, c'est pas fou déjà de défendre ici sur le P2 King's Row, on sait que c'est très difficile, tu t'enfermes dans un couloir où tu as peu de façons de t'échapper. Tu préfères généralement défendre au virage ou tu te situes actuellement dans la défense. Donc ouais, c'est un petit peu perdu un petit peu gratuitement, c'était trop dur de le gagner alors que Samuel lui va tenter de rétablir l'équilibre des choses et de restaurer la force dans la balance. Et c'est avec un triple kill qu'il va le réussir. Et tout à fait, et c'est pour ça que cette défense un peu plus tôt elle a été mise en place, c'est pour charger des ultimates. Alors oui, tu l'as dit, c'est difficile de hold ce point, mais par contre, ouais, mais tu fites aussi celle des autres, quoi. Tu fites celle des autres, mais tu t'assures d'une condition, et voilà, la preuve en est. Et surtout, tu as une défense supplémentaire, et c'est toujours bien d'avoir 3 défenses, ou au moins 2 défenses sur une phase de payload, parce que ça permet de charger une rotation d'ultimate, et bah voilà, ça fait les affaires de l'équipe défensive. Ah, la WP God, on en parlait de ses win conditions, et ben elle est dans les mains, elle est sur la touche A de la WP God, c'est win condition. Ben a envoyé un petit peu tôt et forcément il va se faire neutraliser par le flux gravitationnel très bien anticipé par Mikey B, mais il va s'en sortir. WP God, il va pas tomber, il va même aller chercher le triple kill malgré le flux gravitationnel. On n'a pas fait tomber ce Genji, alors je ne sais pas si c'est grâce à un peel exceptionnel ou si juste on l'a oublié, mais dommage. En fait c'est toute l'équipe d'Escalibur qui est engagée derrière, qui a créé de l'espace à son Genji le plus possible en menaçant cette backline. Hein. Malheureusement, les Skywags tomberont un par un. Faithful Soul sera le dernier survivant. Effectivement, un fight remporté dans la douleur quand même. Ouais. Par... avec le surchargeur. Hein. Genesis. Ouais, tout à fait. À la fin. Heureusement qu'il était là pour les Genesis parce que ça partait mal. Hein. Le triple kill de la WP God, on l'a dit. Heureusement, on s'est concentré sur le reste de l'équipe et surchargeur. A fait récupérer tout le monde et malgré le triple kill d'AWP God, on ne remporte pas le teamfight, c'est intéressant de noter. Et Hogan qui a tenté une nouvelle fois son flanking, c'est pas la première fois, il a récupéré Kallax qui est derrière ses shields. Est-ce qu'on peut récupérer le Baptiste? Non, on va rester prudent alors que Samuel lui il attend pas qu'Hogan aille chercher les têtes. Ouais. Hogan il a un peu trop pris son temps et malheureusement il n'a pas trouvé les kills assez tôt. On fera quand même tomber une personne mais pas plus. Samuel qui est très très efficace sur ses lames du dragon pour l'instant, qui offre de très très bons teamfights à ses coéquipiers. On aura le Bob pour le prochain fight sur cette défense. Kallax qui devra eh bien en placer Kallax. Un très très bon. Kallax. Oui, Kallax, tout à fait. Kallax. Mais on n'aura rien d'autre. L'attaque qui, elle, eh bien, en aura deux. Le flux gravitationnel et le champ de mine. Ouais, pas grand chose si tu peux combiner le champ de mine à la retombée du flux gravitationnel. Combo toujours intéressant. D'ailleurs, il est parti ce combo. Flux gravitationnel envoyé. Et le Bob pour défendre. Du côté de Kallax. Champ de mine envoyé aussi. Pour l'instant, on récupère pas de kill parce qu'il y a un bon champ d'immortalité de la part de Andreiko. Super Soldier forcé de reculer, d'abandonner un petit peu son équipe ici, même si la WP God continue de maintenir la pression dans la backlane. Mais regarde la défense de Genesis. On isole un par un les membres des Skywags. Et on va aller chercher quand ils sont en infériorité numérique. Pour l'instant, ça ne paye pas. C'est le Baptiste qui est tombé. Mais la défense se permet toujours d'être agressive et ne recule pas alors qu'on perd des pics un par un. Mais ouais, mais agresser un Amon c'est toujours compliqué. Il y a énormément de survivabilité, surtout quand tu es entouré par beaucoup de monde. Et pour l'instant les kills vont plutôt à l'attaque, hein, à ces Scallywags qui vont faire tomber un à un chacun des membres, même si ils perdent Eogan sur sa fatale. Certes on perd un DPS, mais on a toujours ce Genji qui va pouvoir venir utiliser cette lame de dragon et qui devrait remporter ce fight. On cherche le Sigma.
Faut chercher des PS. Le deflect qui va permettre de temporiser ses dégâts. Ils sont 3 encore. Ah ouais, ils sont 3 encore et c'est toujours pas gagné pour les Skywags malgré le fait qu'ils dominent ce teamfight et ils réalisent les kills depuis tout à l'heure. On a quand même envoyé la même dragon pour sécuriser le tout. Les dragons, qu'on aurait pu s'en passer, on aurait dû s'en passer. C'est pas normal qu'on perde un teamfight comme ça. On est déjà à moins 2. WP God qui va perdre son duel passe au Baptiste d'Andreyko. Attention, là l'attaque va. En plus, ça conteste. J'ai plus de petit sur le point encore. Va c'est Andreyko justement avec son champ d'immortalité. Il a pu gagner pas mal de temps. Ça permet à Kallax notamment de se replacer sur cette. Ouais, tout à fait. On va prendre les lignes. On va essayer. On va assumer le duel de Widow. Hein. On va assumer le duel de Fatal. Et Hogan et Kallax. Kallax qui prend ses responsabilités. Et pour l'instant, on conserve quand même cette même composition. Et on a la lame du dragon de Samuel qui va probablement encore faire le café en plus d'autres choses. Elle est bien temporisée quand même. Café, thé, tisane, la complète. Là, la complète dans la machine de T-Samuel. Machine bien huilée. Et Kallax avec la Fabrizion pour essayer d'aller récompenser son duel. Pourquoi pas face à Hogan. Et Hogan qui a la sienne de la Fabrizion activée aussi. Les deux fatales ne se cherchent pas forcément. Et on temporise. On a vu que Sebastis est sur les hauteurs. On va tenter le petit flic. Et Hogan qui se fait contrôler autoritairement par Andreyko. Sebastis prend les hauteurs. Duel engagé entre Kallax et Hogan. Hogan qui cherche vraiment Kallax, mais. Ce n'est pas l'intention de ce dernier que de prendre le duel. Et cette attaque reste passive. On a essayé de prendre des pics. Et Hogan ne l'a pas fait, donc on temporise. Non, mais ça, l'agression a très très bien été temporisée par la défense. Les Genesis qui tiennent très très bien. Ouais, tout à fait. On va avoir le temps de recharger une blade. Hein. On a engagé ce fight avec une blade qui a été extrêmement bien temporisée. Et la Hogwood qui se lance dans la mêlée. On va tout simplement désactiver ce champ d'immortalité, prendre un kill, deux kills, le flux gravitationnel qui partira directement sur ce Sigma, qui malgré son absorption tombera sous les coups de Super Soldier. On devrait être capable de sécuriser ce point. Est-ce qu'il en sera le cas? Oui, Andreyko qui tombera. Ah, c'est pas fin encore, parce que la défense peut revenir vite. Ils sont plus que 4 sur le point, sur le côté Samuel. Il est déjà à 3 kills, j'ai l'impression dans ce teamfight. Il est toujours vivant, toujours présent sur le point. Il y a la brigitte qui va venir pour aider à ce Genji à survivre. Il est seul, il faut que tu en aies un mode temporise. Il est seul, mais il y a un surchargeur maintenant. Et forcément, avec Alan du Dragon, pardon, je m'étouffe tellement. Si Samuel est en train, bah justement, d'étouffer, c'est Scallywags. Ils ont pas de choke, pas comme moi. Tout à fait, hein. on a éteint les espoirs des Scallywags. Cependant. On arrive quand même à 2 points et à une avance certaine dans ce couloir du 3ème point pour ce Scallywags qui est pas parfait, mais somme toute correcte. Oui, somme toute correcte, c'est bon, c'est vrai qu'Inzro, on aime bien quand même pousser jusqu'au bout, c'est vrai qu'on peut pas arrêter au bout, on peut pas dire que c'est forcément une belle attaque, mais tout va se jouer sur cette défense. Va-t-on conserver ce Sigma? Je l'espère, parce que défendre avec Ball Hawk, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Et Genesis devrait, c'est ça, on croise les doigts. Et Genesis devrait rester sur leur composition. On jouait tout à l'heure, la méta, voilà, pas de soucis. Et qu'est-ce qu'on nous sort encore? Qu'est-ce qu'ils nous font? Qu'est-ce qu'ils Écoute, nous font encore? Après, Pumpkin. Je pense qu'il faut se dire que tout ceci n'est qu'un rêve et que c'était son plan depuis le début. Ouais, c'est ça. Non, après la composition, elle a un poke, un burst qui est. Insane, hein, tu es pas toi qui va me faire mentir. Oui, et si jamais Super Soldier trouve un traclar, c'est une mort instantanée pour n'importe lequel des joueurs, même pour une Orisa. Mais effectivement, ça va manquer de pile. Le shield de Faithful Foul, il va vite tomber. Et dès que ce shield va tomber, bah, on va se faire enfoncer en fait. Ouais. Et puis on a ce Hanzo et ce Chacal quand même qui sont des pics. Alors bon, pas mauvais, hein, mais. C'est des pics qu'on n'a pas vu depuis à peu près 15 ans sur King's Row. Ouais, après c'est pas des mauvais forcément. Oh, Super Soldier. Qu'est-ce qu'il faisait là, Super Soldier? Qu'est-ce que tu faisais là? Pas comme ça, Zidane. Tu trouves un tracker dans la backlane, mais il a été totalement vu. Alors je sais pas comment il a été vu, mais en tout cas il a été vu. Mais ça c'est quand tu fais ce genre de choses, faut pas se faire voir. Il a été vu. Ou alors juste il était là et sans faire exprès. Oui, moi je pense qu'il était là et. Ouais, c'est ça, sans faire exprès, ils l'ont vu. Et donc... Oups. Oh, la confession elle est pas facile sur ce mode du Super Soldier. Mais il est déjà revenu d'ailleurs. Ouais, il est venu sur Amon. Hein. Il a laissé tomber de. Le chopper et il est revenu sur Amon pour essayer de rééquilibrer les forces. On fera tomber la brigitte de Kog et ensuite Kallax. Mais Samuel sera là pour équilibrer un petit peu tout ça en faisant tomber son vis-à-vis et Hogan. Et pour l'instant, Samuel très très low sur ce point et qui va tomber.
Dommage parce qu'il n'y a plus le Hanzo, il avait tous les moyens du monde pour rester en vie de Samuel, ça n'a pas été le cas. Heureusement il va revenir vite pour l'attaque, le Dano Boost en tout même envoyé pour les Skywax pour sécuriser cette défense parce que je pensais qu'ils avaient remporté ce teamfight, ça n'est pas encore le cas. Plus de shield maintenant pour face tout ça, on a Wix qui est toujours présent sur ce point, qui ne va pas prendre la charge, qui va finalement tomber. Il a créé beaucoup d'espace pour son équipe qui va revenir, mais j'ai l'impression qu'on revient plus un par un qu'autre chose côté Genesix. Ouais ouais, on a essayé de forcer un petit peu ce teamfight. On a vu qu'on prenait des picks un par un, donc on s'est dit let's go, on y va, on continue à maintenir la pression. Le problème, c'est qu'il y a eu de très très belles actions individuelles, notamment de Faithful Soul et de Super Soldier, qui un peu a fait abandonnable de sa grosse erreur sur Chopper tout à l'heure, sur son Amon. Donc Super Soldier qui a priori est un peu expert des pick tanks douteux. Mais on peut pas parler d'elle cette frontline hein, depuis tout à l'heure. Ah tout à fait, tout à fait. Entre Bolog et leurs exploits individuels, c'est vrai que c'est de ceux dont on parle le plus, cette équipe des Scalywags. Allez, nouvelle attaque maintenant, attention à cette boule qui va essayer de déranger un petit peu tout le monde. On a déjà plus de Reinhardt et là ça va être l'heure d'enfoncer les lignes pour les Genetix maintenant que le cuirassé allemand est tombé. Et ils m'ont écouté. Ah, c'est la Bérésina, c'est Scalywags qui vont tomber un par un sur... bien, je ne sais pas, une petite erreur sur Reinhardt qui tombe peut-être trop facilement, peut-être trop gratuitement. On a peut-être été trop agressif ou au contraire trop passif. C'est assez compliqué, hein. C'est difficile ces frontlines avec un Amond. Hein. Puisque bah voilà, ce Rein il a pas de pile, il a rien pour lui, il a même pas de Lucio pour se déplacer, donc il est obligé un petit peu d'encaisser et d'accepter un petit peu de subir. Et le problème c'est que bah s'il subit trop, il décède et c'est pas ce qu'on veut. Et même s'il y a une Ana, une Brigitte qui se met à fond pour le heal, bah le Reinhardt il subit tellement que il se prend tout en fait. Genre s'il y a un full focus de la H, de la Echo, de la Orisa, du Sigma, même du Baptiste, bah t'as beau avoir le Ana et la Brigitte, et même avec la grenade biotique, parce que je crois pas que le boost de la grenade biotique était passé, mais sans ça, ouais, rien à faire. Rien à faire, mais par contre il y avait quelque chose à faire entre ce pneumatique magnifiquement anticipé par Makibi. Aïe aïe aïe, ça fait très très mal, on perd l'une des principales win conditions de ce teamfight, le leur aliment qui va partir pour Samuel transformé en cette Brigitte qui va bah, tout simplement aller sur la backlane et faire sa vie comme d'habitude. Brigitte, un perso qui n'est pas pété du tout, c'est faux. Malgré ses nerfs, ça reste quand même un personnage très très fort et bah, surtout entre les mains d'un DPS. Imagine, tu joues un personnage qui peut se transformer dans n'importe quel joueur de ton choix dans le jeu et tu choisis Brigitte. Ouais. Imagine. Ah, mais c'est trop fort. Unless la Brigitte était vraiment là. Andreiko seul sur sa backline, il a tenté un clutch individuel sur sa matrice. Ouais, étonnant. C'est très individualiste comme play. Ouais, ça se tentait. Ça reste très individualiste et ben son équipe va se faire punir, même si on recule bien. Oh. Ouais, ouais. On décide d'abandonner ça. Il y a Nano qui part quand même. Sur Super Soldier qui va bah voilà tanker, apporter de l'espace, charger son ultimate aussi. Je pense que c'est ce qu'on voulait, on voulait essayer de charger ce flux gravitationnel qui ne sera pas là, on a bien reculé. On ne chargera que 64% pour l'instant. On n'a pas d'ulti ni d'un côté ni de l'autre, donc on est sur un fight un peu neutre. Si on a la frappe du dragon qui sera là quand même pour Eogan et qui partira avec un très très bon pile driver. Ouais, le bon pilonnage, mais heureusement il y avait ce champ d'immortalité de Andreiko, Baptiste toujours aussi fort, sinon ça aurait fait un carnage. Mais on récupère Coq tout de même avec les dégâts infligés. Logiquement les Genesis doivent reculer. On perd même Andreiko vu que le shield de Dorisa n'était plus là. Et ouais, mais là ça y est, ils se sont resynchronisés sur leur charge ultimate, AWP God et Wako Bako. La Nanoblade pourra arriver, pas maintenant, mais elle va arriver. Et il faut juste que la défense soit pas trop agressive. Bon, il essaie d'être agressif pour charger, ça me va. Alors on va voir ce flux gravitationnel avec cette halte qui est absolument magnifique, qui a donc faire beaucoup de dégâts, même un kill sur Super Soldier, le vis-à-vis de Mikibi qui tombe. Et on va décider directement de sonner la retraite pour cette équipe des Scalywags. On prend énormément de dégâts, Mikibi qui bah, follow toutes les haltes de Wikil. Et là c'est vraiment un très très bon combo, il va absolument falloir toucher très très rapidement. Ce sera le cas Faithful Soul qui va probablement donner sa vie pour cela, pour essayer de temporiser un petit peu ce payload et ne pas perdre cette carte. Mais ce ne sera pas suffisant, on n'a pas gagné assez de temps. Pour l'instant les Scalywags qui en pâtissent. AWP God, c'est pas la première fois qu'il tente le duel face à ce Baptiste, ça s'est pas toujours bien passé. Là heureusement il a le mur du son de son loot. Oh non, le Sinai. C'est pas possible. C'est pas possible. Pas comme c'est ça. C'est pas possible. Pas la C9. On propose quelques secondes de silence pendant que TG Lizen avant de parler de... Oui. Non.
pour les Scallywags. Bon, alors, bah ouais, cette dernière teamfight partait bien. Le mur du son envoyé un petit peu trop tôt. AWP God qui reste sur ses hauteurs, qui tente de les contester. On n'a pas trop vu ce qui s'est passé au sol, cela dit. On n'avait plus le Hammond pour toucher. Donc, probablement qu'on s'est juste fait zoner, qu'il n'y avait pas assez de pression pour avancer. Et ouais, on touche. C'est terrible. C'est terrible parce que ça se faisait. Parce que ça jouait bien. Et... C'est pas chiffre-nombre parce que le teamfight était loin d'être gagné, mais bah ouais. C'est quand même un peu chiffre. Après, faut aller voir. Non, parce que vous avez perdu le teamfight, moi je pense, dans tous les cas. Mais voir ce qui s'est passé après. Parce que, comme si on avait vu, si vous avez vu cette semaine, il y avait un magnifique flux gravitationnel de Molfig contre Shirkold. Quand Shuriken jouait contre Shirkold, qui avait empêché le Shirkold de toucher le point. Et ça avait été absolument incroyable. Peut-être qu'il y a eu la même chose. J'ai pas vu si c'est un flux gravitationnel qui était parti. Mais. Ça va faire 2-0 pour les. Nos bros ouais. Des Genesix, et finalement c'était mérité parce que face à cette compo c'était la seule issue possible. Non mais bon, faut quand même rendre à Scallywags qui appartient à Scallywags. Hein. On a pas mal joué. On avait ces compositions atypiques, on a bien joué autour. Le problème c'est que bah, forcément, contre une composition qui est optimale et qui est bien menée, on ne peut pas gagner. C'est mathématique. Et c'est ce qui s'est passé. En tout cas, sur la première carte. La deuxième, bon, Kings Row, moi, je reste persuadé que c'est plutôt une C9. Mais bon, dans tous les cas, c'était pas sûr qu'il l'emporte et c'était dur. Donc, oui, Scallywags, mais s'il vous plaît, revoyez un petit peu vos compos. Alors, il faudra revoir les compos et je pense pas qu'on les reverra. On notera sur toi, Lizen, demain. Pour la suite de l'EBC, parce que ça continue l'EBC demain à 16h, ce sera au tour de Shirkold d'essayer d'aller remporter la première place dans ce groupe B, groupe A donc qui vient de se terminer aujourd'hui. Victoire de British Hurricane, première place. Genesix va chercher la deuxième place. Scallywags, troisième. Et demain à 16h, ce sera Shirkold, Eclipse Esports et Otter Gang, le gang des Otari, qui seront streamés pour tenter d'aller chercher leur place dans ces playoffs des Regionals de l'EBC. Ce sera demain à 16h, casté par Dams et Chaleya, avec toujours nos amis de Monkey Bubble à la prod. Donc n'hésitez pas à follow la chaîne pour ne rien louper. Suivez-nous aussi sur nos Twitter respectifs, @pmw, @justlizen, pour être au courant de nos actualités et voir aussi les prochaines actualités du compte Twitter @castupnest. Vous pouvez lâcher un petit sub aussi si vous appréciez la diffusion bénévole qu'on vous fait de cet événement. Ça nous permet de nous soutenir. Ça nous fait extrêmement plaisir. Et Lizen, moi j'ai tout dit, je te laisse le mot de la fin. Écoutez, merci à toutes et tous d'avoir suivi ce stream, ce cast de ces phases régionales de l'EBC. On espère vous retrouver très nombreux demain et effectivement pendant toutes ces pendant tout ce tournoi. Merci beaucoup encore, merci Pum d'avoir été en ma compagnie et merci à Friend Duke, notre prod anglais. Merci, thank you very much. À bientôt, see you.